Honorée par la présence de Constance Ndouna, marraine de la cérémonie, cette célébration marquant les 10 ans d'existence de la polyclinique La Grâce a eu lieu dimanche 1er mai à l'hôtel Le Ruisseau. Observant une minute de silence pour ceux ayant œuvré dans le projet et qui nous ont quittés, le personnel a fait par la suite la rétrospective de cette belle aventure avant de remercier le président directeur général François Ndouna de les avoir dotés d'un meilleur cadre de travail et d'un plateau technique performant. Grâce à la vision et l'intelligence d'un homme, j'ai cité M. Ndouna François, président directeur du groupe portant le même nom. Nous disposons aujourd'hui d'une structure de santé dénommée Polyclinique La Grâce, en abrégé PLG. La polyclinique dispose d'un personnel qualifié, d'une pharmacie hospitalière, d'un plateau technique de bon niveau, ainsi que des services généraux. D'autres équipements médicaux sont en cours d'acquisition, tels que le scanner ou le matériel de dialyse. Le représentant du PDG, Alphonse Douminginza, par ailleurs DRH du groupe Ndouna François, a rappelé le challenge qui est le leur dans le positionnement de cette structure médicale à Pointe-Noire. 10 ans, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais 10 ans pour le patron, c'est rien. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Il faut maintenir le niveau qu'on atteint après 10 ans, sinon le dépasser pour qu'on devienne les meilleurs de la ville. Puis le cœur comblé de gaieté, la marraine de la cérémonie, Constance Ndouna, a ouvert le buffet pour le repas convivial offert au personnel. Je vous souhaite une bonne fête, mais que tout le monde veut bien célébrer la fête dans la joie, dans l'amour, qu'il n'y ait pas de quoi. Pour couronner le tout, les convives ont célébré ce 10e anniversaire autour d'un gâteau. La symbolique photo de famille a mis fin à la cérémonie.